Eh bien, bonjour, bonsoir. L'aventure continue sur Soviet République Records and Resources. Alors, vous le savez d'entrée, ça va être compliqué l'hiver qui arrive. Je vous l'ai dit, je vous l'annonce et je vous le confirme. J'ai déjà fait plusieurs tentatives et je vais vous avouer que je n'y arrive pas. Donc voilà, on va faire obtenir des citoyens en dollars. Et ici, même chose, obtenir des citoyens en dollars. Je ne sais pas si ça va être des personnes incultes ou pas. Et on a l'université ici qui est en création. Là, on est sur du moyen. C'est vraiment l'université. 217 tonnes d'acier. Est-ce que je risque de les avoir? On a 171. Manquera pas grand-chose. Et ils vont en produire au fur et à mesure. Je l'espère. Bon, par contre, c'est vrai qu'on a toujours ce problème de l'eau. Donc, j'ai un château d'eau ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du château d'eau. On expédie par ici pour aller à un autre château d'eau. Donc là, il y a une entrée. Donc là, ça arrive dans l'usine. Ça arrive dans l'usine. Donc là, c'est seulement l'alimentation d'usine. Et ici, ça part ici. Non, ça repart vers un autre château d'eau ici. Est-ce que ce bâtiment-ci est alimenté? Ce bâtiment-ci n'est pas alimenté en eau. Pourquoi n'est-il pas alimenté en eau alors que ça pourrait passer par là? C'est quel? Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Donc, si on fait ça, je pourrais avoir de l'eau ici. La démolition. On va l'annuler la démolition. On va valider ça des deux côtés en espérant que ça passe. Alors c'est un petit peu le problème de ce jeu, hein, c'est qu'on se lance dans plein de travaux et après on est perdu. Ça permettrait d'avoir un petit peu d'eau par là, ça ferait du bien. Déjà 33% et il commence à apporter de l'acier. Les finances, on met ça sur le côté pour l'instant. Tous mes camions à eau sont partis, mes camions poubelles aussi. Et camion poubelle, on va en reprendre aussi. On refait un prêt. Je vous l'ai dit, pour l'instant, les finances, c'est pas encore la priorité. Il faut qu'on passe cet hiver. Et l'hiver va être rigoureux. La santé est à 88%. Attaque ou arrêt cardiaque, ouais. Hydratation insuffisante ou eau contaminée et les crimes. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Faim, pollution, pas d'accès à un médecin, c'est assez limité, donc c'est pas encore trop grave. Pollution à 3% quand même. Il y en a 24 sans accès à un médecin. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Cette période ici, je vais surveiller la population et la santé. Niveau de la joie, qu'est-ce que ça nous dit? Pas d'accès aux produits électroniques.
crime, pas d'accès, faim, pas d'eau. Mort d'un enfant, ça c'est pas bon. Et la loyauté au gouvernement, ce serait bien qu'elle augmente un petit peu. Faudra travailler là-dessus aussi pour la suite. Les hôpitaux, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que là, il n'y a pas assez de médecins. Pour passer cet hiver, je suis prêt à tout. Il y a du médecin, c'est bon. Il faudrait que je remette un bâtiment pour les médecins ici. Un stockage de charbon aussi. Voilà, on va surveiller ici. Il y a de l'eau, mais c'est de l'eau qu'on porte nous-mêmes. Pour l'instant, ça tient. Mettre plus de bureaux s'il faut, hein. Faut que ça se fasse ici. Ça pourrait être une des solutions. Parce que ça va libérer du personnel. Et d'habitude, on s'en sort avec 5000 à la fin de l'hiver et on remonte à chaque fois à 6000, mais on n'a pas le temps de retrouver d'équilibre. Et donc, il y a un réel stress, hein, je vais pas vous mentir. J'ai fait plusieurs essais et à chaque fois, c'est la même chose qui pêche, hein. C'est de l'acier, hein, 27 tonnes d'acier. Alors, on devrait s'en sortir et pouvoir le faire nous-mêmes. Je vois que là, il n'y a pas de file d'attente. Ça commence. Bon, après, si je perds tous les personnes là-bas à droite, c'est pas encore trop grave. C'est vraiment ce coin-ci que je dois pas perdre, hein. Puis on va voir la nouvelle université. Donc, regardez la population qui baisse. Hydratation insuffisante, c'est vraiment le gros problème. C'est pour ça qu'il faut que je travaille sur l'eau. Et que je tente de limiter les dégâts. Mais on a l'université et les deux blocs en construction. On peut faire énormément de prêts, donc voilà. Je pense qu'on va travailler sur l'eau juste après cet hiver. Mort d'un enfant, oui, c'est toujours quelque chose de dramatique, hein. Je le conçois et je l'accepte.
Les stocks ici sont bons. La nourriture, j'arrive pas. Hein. J'arrive pas. Et regardez la population qui chute, mais d'une manière incroyable. On revient dans les travers de... du début de saison, hein. Et du coup, les prêts. Est-ce que maintenant la construction est terminée? Non, toujours pas. Bon, on repeuplera s'il faut. Faire une petite année, à mon avis, sans personne, sans revenus. Vraiment l'hécatombe, on est retombé à 640 personnes. Bon, soit. Soit. Je propose de garder les 640. De toute façon, voilà, ils ont accès à la nourriture quoi qu'il arrive. C'est juste les revenus qui vont être plombés. Ça nous permet de terminer l'université. Les bâtiments ici, on va les remettre en faible. On va fonctionner comme ça, avec du coup beaucoup moins de touristes. Mais donc oui, aussi beaucoup moins de main d'œuvre pour travailler. Donc mes bureaux de construction. En fait c'est ça le problème, c'est que si je continue ma partie dans cet état-là, sans remettre d'habitants, on va droit dans le mur. Bon, toi tu travailles où? Hôpital. L'hôpital. Toi c'est un petit peu partout, donc on va prendre des migrants classiques. Déjà rajouté quelques personnes. Toi, je supprime. Toi, on a repeuplé. Toi, bon, on va prendre des immigrés du tiers-monde. On n'a pas de professeur là. Ok. Donc toi, je vais te dire maintenant, tu vas bosser là, c'est tout. On va y mettre des professeurs. On va essayer de redémarrer petit.
Mais en ayant comme ça un peu de main-d'œuvre pour reconstruire, parce que c'est bien de se dire qu'on va redémarrer avec une population basse. Ça ne se remplit pas. Pourquoi ça ne se remplit pas? Tout est relié. Ça devrait se remplir. Ou alors ça ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est l'autre possibilité. Alors, bien sûr, il n'y a plus personne pour travailler avec des touristes. Parce que du coup, vous voyez, là, je ne sais plus avoir de main-d'œuvre pour construire, vu que je n'ai plus d'habitants. Réglementation de l'alcool. Même si pour ça il faudrait qu'il y ait des profs qui viennent dans cette école. Allez, on claque vraiment dans 16 millions de prêts. Tenter de sauver ça. Bon, les gens ici vont venir du bloc américain, ça pourrait aider. Après ici, on a des gens. Ici, la population est restée, hein. Plus ou moins, mais elle est restée. Et alors, ils n'ont pas de problème d'accès à l'école. Ça se demandait pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'école. Mais bon, tant que ça fonctionne. Mais du coup, qu'on n'a plus personne, on a du pétrole. Pourquoi vous utilisez encore cette voie ici en dessous, les gars? On va voir s'il y a moyen de redresser la situation, mais là c'était l'hécatombe. On a quand même avancé un petit peu. Problème des éoliennes, hein.
Après, j'ai fini l'usine. Travailleurs qui viennent ici de temps en temps, je ne pense pas. De toute manière, ici, on va le mettre à zéro. On va le mettre à zéro. On va vraiment arrêter toute cette partie-là de production et axer que sur celle-ci. De construction. Il va falloir vraiment dans les épisodes qui suivent tenter de retrouver un équilibre. Ça avance quand même. Hein. J'aurais pas cru. On tourne à 124 personnes sans éducation. Et on va faire descendre ça, j'espère, avec l'école qui est là. On va repartir de la base, hein. On n'a pas le choix. Pas beaucoup de personnel, c'est normal, donc le tourisme ne sait pas se développer. Il leur manque de l'acier, des planches, ça va arriver. Logiquement. Voilà, l'acier est là. L'acier presque complet est là. Voilà, celui-ci est fait. Personnel pour accueillir plus de touristes, ce serait bien. Limite, t'as pas accès à la culture juste en face. T'as le café-bar, là-bas t'as un restaurant. Faut arrêter un petit peu vos bêtises, s'il vous plaît. Bon, moins de personnes, donc moins de consommation. Et là, vous voyez, du coup, la nourriture est remontée. Parce qu'ici, une nouvelle fois, on n'a pas eu l'hécatombe qu'on a eu dans le reste de la ville. On a perdu des plumes, mais pas autant que ce qu'on aurait cru. Parce que ce que j'aurais cru. 3, 0, bah oui, c'est logique. L'acier, les gars, je suis désolé. Dommage que je ne sache pas voir où ils sont censés aller bosser, ces gens-là.
croise les doigts, hein. Pour moi, cette partie n'est pas encore terminée et peut être sauvée. Ça va être compliqué, ça va être long, mais elle peut toujours être sauvée. C'est un des travailleurs de temps en temps ici. Ici maintenant, on a un autre problème là. Comment ça se fait que la station-service de Biat soit si basse? Celle-ci, c'est pas normal qu'elle soit aussi basse. Ah, il y a même plus. Toi, tu vas à Viro, j'entends bien. Tu vas à Seraya, Seraya. Il n'y a personne qui vient à cette station service. Et ils y viennent tous, ils vont tous tomber en panne, hein. Ok, alors ce qui... Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui m'arrive de faire. On est en juillet. Je vais revenir au mois de mai pour essayer de voir si le problème était toujours là au mois de mai. Parce que là, c'est grave. Ça fait partie des choses que je fais, mais d'habitude, pour relancer la partie... Ouais, le problème existe déjà. Le problème existe déjà. Je viens d'en lancer un, est-ce que ça a fonctionné? Oui, Biat. On a 1604 personnes, donc on est vraiment revenu pas mal en arrière. Les bâtiments ici ne sont toujours pas terminés. Donc voilà, parfois j'ai pas le choix pour essayer de trouver une solution.
Et on va refaire une pompe à essence correcte ici dans le coin. Donc voilà, ça c'est un des petits secrets de ma partie. Mettre à 80% biat. Bon après faut voir où est-ce qu'il manquait des gens, ce que j'ai fait pour les récupérer, c'est toujours ça le problème. J'avais lancé la construction d'une école ici, ben donc du coup il n'y a plus de la construction d'une école ici. Donc on va la remettre. Là, je trouvais qu'elle était pas mal. Comme ça, ils ont accès. Et sinon, ils n'avaient pas accès. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, on a dit une station-service qu'il faudrait mettre ici. Station de pompage. Ok. Puis de captage. Donc voilà, c'est ici qu'on vient chercher l'eau. Peut-être moyen que ça fonctionne. On va voir si on a réussi à sauver cette partie-là. Dans les camions qui sont là, toi, est-ce que tu livres? Oui, toi, tu as livré. Il faut qu'on arrive jusque-là. Sans qu'il y ait une seule panne, et on aurait résolu le problème. Normalement, le problème est résolu. Toi, tu me fais quoi? Ouais. Tu revends là-bas. Ok. Donc ça, ce serait solutionné. Maintenant, ce qu'on pourrait faire en ravitaillement, bien sûr. Station-service à 4 véhicules. En se mettant ici. Non. C'est pas une bonne idée. En se mettant ici. Comme ceci. Je pense que ce sera mieux. Et du coup, bah oui, les bâtiments ici doivent se refaire. Alors, on va reclaquer pour remplir le bâtiment ici. Voilà, et on va essayer de rester comme ça. On n'est pas loin des bâtiments de tourisme. Et une nouvelle fois, ben voilà, de la viande, enfin de la nourriture, on a de la nourriture. Vu que tout ceci va continuer à fonctionner.
va investir pas mal hein, dans les routes. Et je pensais qu'on allait s'en sortir, hein, qu'on était vraiment bien parti pour être toujours dans le vert maintenant. Et malheureusement, ben non, on a dû claquer beaucoup, beaucoup trop d'argent. Pour s'en sortir, pour limiter la casse, on est retombé quand même à 500 citoyens, on a dû payer pour que les gens viennent chez nous. Et là, on va essayer de corriger, de colmater petit à petit tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Il y a des gens qui bossent de temps en temps. On peut stocker du gravier, c'est vraiment pas un problème. Et actuellement, les finances ne descendent pas si vite que ça. Au contraire, regardez, ça vient de remonter tout d'un coup, là. On a fait une bonne exportation, à mon avis, de l'acier. Hein. Donc, est-ce que ce serait un mal pour un bien? Ce sera à voir. Hein. La partie là est faite. La partie ici ne manque pas grand-chose. Voilà, rouleau compresseur permet de gagner du personnel. Hein. Voilà, la route là est faite, c'est top. Est-ce que l'acier se fait toujours? On a de l'acier. Après, on a du stockage là. Ça avance, ça avance, ça avance. Et du coup, ben voilà, on n'a plus personne ici ou très peu pour traiter les déchets. Par mesure de sécurité, on refait un prêt. 18 millions. Ça pique. Hein. Pas d'éducation, ok, éducation minimale et pas d'éducation. Donc quand je prends des personnes comme ça, ce seraient des personnes sans éducation. Ok. 91 personnes sans éducation. Et ça diminue petit à petit. Donc ça, c'est bien. Ça prouve donc que le système scolaire fonctionne. Ça pourrait être correct, hein. On pourrait peut-être, ce mal pour un bien, comme on dit. Peut-être que c'était la claque qu'il fallait se prendre. Hop, faudrait 30%. Là, et puis là, donc là, il faudrait qu'on monte à 30%. Il en faut 39.
va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça parce que du coup on a des profs ici. Qui vont éduquer les gens qui sont là, qui n'ont pas de diplôme, pour peut-être se retrouver dans les usines ici autour. Ce serait le but, hein. Et une fois que les classes ne seront plus surchargées, je remettrai des gens là-bas au-dessus. Allez, on garde espoir. On se dit que c'est possible, c'est réalisable. Déjà à 14% pour réduire les effets de l'alcool justement sur les maladies. La nouvelle station-service en construction. Le tourisme reprend, on exporte beaucoup plus qu'on importe. Notre stock de nourriture est 90, c'est bon. Allez, partons du principe que c'est un mal pour un bien qu'on a vécu cette hécatombe. Cet exode massif de personnes, où c'est mort en boucle, hein. À voir un petit peu, là on va pas remettre de gens pour l'instant. On va vraiment se concentrer sur la ville de Strakhorov. Et voir comment ça va se passer. Maintenant qu'on a des professeurs ici, qu'on va pouvoir éduquer un petit peu les gens. Donc voilà, enfin sur ce les amis, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, j'espère que cet épisode ne vous fait pas trop peur pour la suite, en tout cas je flippe, je vais pas vous mentir, mais on va s'en sortir, allez, bisous bisous, au revoir.